Pourquoi Algérie Ferries n'a pas encore ouvert les réservations de l'après-saison? Cela est devenu une habitude chez Algérie Ferries. Comme cela a été le cas pour la saison estivale, la compagnie maritime nationale accuse un grand retard pour l'ouverture des réservations pour ses traversées de l'après-saison. Un retard incompréhensible, d'autant plus que la compagnie française Corsica Linea, concurrente d'Algérie Ferries, a annoncé depuis juillet dernier le lancement des ventes pour ses traversées pour l'après-saison. Dans une conférence de presse organisée jeudi 21 septembre au siège de la compagnie à Alger, le PDG d'Algérie Ferries a confirmé la mise en service d'une nouvelle plateforme de réservation de billets en ligne. En réponse à l'attente des clients quant à l'ouverture des réservations pour l'après-saison, le premier responsable d'Algérie a assuré que celle-ci serait ouverte graduellement dans les prochains jours, dès la mise en œuvre de la nouvelle plateforme, sans toutefois donner de date précise. Une réponse qui risque d'agacer davantage les clients d'Algérie Ferries qui ne cessent de réclamer l'ouverture des réservations afin de programmer leur voyage. Il rajoute aussi qu'en plus des 4 navires de sa flotte actuelle, un 5e ferry sera affrété par la compagnie nationale en vue de renforcer sa capacité de transport à partir de la prochaine saison estivale.